un immense bouquet de fleurs. Vive le festival de Concolin. Ainsi, le CIOF, créé à Concolin par Henri Coursager, fête ses 45 ans. Il a pour objectif la sauvegarde et la diffusion de la culture traditionnelle populaire. L'UNESCO a été fondée en 1945 pour développer la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité comme moyen pour construire une paix durable. Son travail novateur a contribué à changer le monde et notre manière de communiquer et de nous comprendre. Ce soir, les colonnes du décor de la scène évoquent un temple grec, le Parthénon, qui a inspiré le cycle de l'UNESCO.
Merci d'accueillir maintenant les artistes de ce 58e festival. Un mouvement des corps en parfait accord avec la musicalité, la sensualité et une joie de vivre contagieuse. Voici les excellents saxeros de Balcon de las Artistas, la Colombie. Et parmi les fidèles, ils vont rayonner le nom de Confolant à travers le monde. Voici nos ambassadeurs de Charente Limousine, Rodière Bordeaux, la France. C'est la première fois que nous avons le plaisir d'accueillir ce pays à Confolens. Danse tribale, djembé et débauche d'énergie, voici l'ensemble national de Nairobi, le Kenya. Héritiers des peuples cavaliers nomades, venus des steppes de l'Asie centrale, voici l'ensemble de danse Chermière et son orchestre Semipalatins, le Kazakhstan. Des trésors préservés de la fameuse cordillère des Andes. Merci d'accueillir Khaoua Nyan, l'Équateur. Et banjo, énergie et joie de vivre, venus de l'Idaho, les danseurs de l'American Footworks, les États-Unis d'Amérique. De l'énergie des gauchos à la sensualité des tangos, il nous révèle toute la beauté et la variété d'un folklore puissant. Voici le ballet Sentimientos Criollo, l'Argentine. Thank you.
deuxième capitale du royaume des mille éléphants, l'Asie du Sud-Est, sa poésie, son raffinement, ses mouvements de danse subtils, accueillons l'ensemble Pyeongchangba de Laos. La virtuosité de leur orchestre est impressionnante. Ils nous présentent un répertoire authentique de la Transylvanie. Voici l'ensemble Marty Chouroul, la Roumanie. Et plein d'humour, voici nos voisins alpins et leur enthousiasme, les athlètes de Sierra Valley, la Suisse. Le festival de Confolon est le lieu privilégié de la tolérance, un lieu où peuvent naître des amitiés, simples, éphémères certes, mais dont la force réside certainement dans leur authenticité. Des rencontres qui se nourrissent des différences, qui font la richesse de peuples si éloignés, à l'instar des salseros colombiens et danseurs kenyans, ou encore du joueur de banjo. Allez.
Montpellier à Nianza, une danse de cérémonie de la communauté Luo. La bière traditionnelle Congo est préparée spécialement. De la musique traditionnelle kazakh. Kovlobi et Saulemey ouvriront leur prestation en musique. Tepenkov et Adai dépeindront toute la beauté et la grâce de la chanson.
moi. Ce savoir-faire se transmet à la maison depuis le plus jeune âge par l'observation et l'imitation des aînés.
musique nous révélera toute la technique du clogging, devenue récemment très populaire aux États-Unis. Place à l'énergie et à la joie de vivre d'American Footworks, les États-Unis d'Amérique. Sentimientos Criollo, l'Argentine.
l'ensemble Kwang Chapa a fait le voyage pour vous convier à la danse de Nankeo, une danse de la cour du Palais Royal, héritage de l'Empire Khmer. La danse traditionnelle fait partie de l'éducation des jeunes filles de la haute société. Thank you.
la Suisse. L'ensemble Balcón de los Artistas émane d'une école réputée de salsa colombienne. Il présente un mélange de rythmes divers comme le bugalú, la pachanga et de danses traditionnelles colombiennes. Mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama.
Thank you.
Ainsi s'achève notre première soirée au Théâtre des Rivières.